concernant les nouvelles lois qui se présentent pour la licence d'agence de voyage au Maroc, communément connue sous la licence A et la licence B, j'espère vous rassurer en vous annonçant qu'un comité de travail s'est réuni avec le ministère du Tourisme et la Fédération nationale des agences de voyage du Maroc, et je pense qu'il y a un compromis heureux. En effet, il se pourrait qu'on élimine la distinction A et B. Toutes les agences actuelles, dûment en règle, selon le cahier de charge et le DAIR, resteront A, bien sûr, c'est des agences de voyage. Par contre, la nouvelle, c'est que nous allons créer une nouvelle licence qui s'appelle licence de distributeur. Et cette licence de distributeur va permettre à tout un chacun, à des sociétés qui vendent autre chose que du voyage et du tourisme et qui voudraient dans leur plateforme ou dans leur station de service ou dans leur banque ou dans leur surface vendre également du voyage, s'ils ont un contrat en bonne et due forme avec l'agence de voyage marocaine, pour recommercialiser les produits officiels de cette agence, ils seront autorisés par le ministère du Tourisme. Je pense que ça, c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble de la profession et une belle évolution pour voir des points de vente de voyage et de distribution de ces voyages dans l'ensemble du territoire marocain. Et je vous remercie.